Eh bien bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la jungle où on va parler de Lee Sin. Comme d'habitude, on va s'occuper dans cette vidéo principalement de build de Lee Sin. Je vais vous parler de ses sorts, on va lire ses sorts pour être sûr de tout comprendre sur le champion et de comprendre aussi tout ce qui est caché dans le champion parce qu'il y a vraiment pas mal de choses. Et accessoirement ensuite on va parler de l'esprit de ses builds, comment fonctionne Lee Sin de manière à ce que tu puisses le build, peu importe la méta, pourvu qu'ils aient pas changé tous les items d'ici à cette vidéo, ou Lee Sin en lui-même, mais je crois qu'il n'y a pas de rework de prévu avant un moment. Lee Sin est un champion extrêmement bien designé. À partir de ce moment-là, on va pas faire beaucoup plus de chichi, on va arriver directement par un truc qui s'appelle le passif de Lee Sin. La rafale. Alors, c'est un vieux champion, Lee Sin. Quand il lance un sort, ses deux prochaines autos ont 40% de vitesse d'attaque et lui rendent de l'énergie, la première plus que la dernière. L'idée des bases, c'est de dire que Lee Sin, c'est un moine qui fait du kung-fu. Donc du coup, il va lancer des sorts et il fait du kung-fu entre-temps. Ça fonctionne comme ça. Il n'y a pas grand-chose à savoir sur Rafale, si ce n'est que c'est un... Si vous ne mettez pas d'auto entre vos sorts, bah, vous allez très rapidement vous retrouver out of energy. Et que c'est ça qu'il faut prendre en compte. Le sort suivant, c'est la particularité de Lee Sin. Il y a toujours deux sorts. Un sort et une réactivation qui vont ensemble. Le premier, c'est l'onde sonore. Vous la connaissez. Il lance un projectile, si ça attaque quelqu'un, ça lui fait des dégâts, un peu. Grosso modo, hein, vous voyez, vous allez à 150 points de dégâts, et ça scale à 115% des bonus, c'est pas fou. Ce qui est intéressant, déjà, c'est que vous pouvez réactiver cette compétence dans les 3 secondes qui suivent, et pendant ce temps-là, vous avez la vision pure de l'adversaire, c'est-à-dire que Lee Sin étant aveugle, il voit les invisibles s'il les touche avec son onde sonore. Pendant 3 secondes, la vision pure disparaît, dès que vous réactivez. Grosso modo, ce qui va se passer, c'est que c'est fait pour vous assurer, dans le jeu, de pouvoir retoucher votre A. La plupart des champions qui ont ce genre de vision pure, c'est jusqu'à la réactivation. C'est-à-dire que votre A, si vous l'utilisez comme ça, vous avez 3 secondes pendant lesquelles vous voyez le Twitch invisible. Vous voyez la Akali invisible, c'est pour ça que j'aime beaucoup Lee Sin. Vous allez voir, je l'aime encore plus avec son troisième spell qui est encore mieux face à Akali. Vous avez ce genre de choses-là qui traînent. Et après, vous avez le sort que vous connaissez. Lee Sin qui réactive, qui fonce sur la cible et qui lui cale une mandale qui dépend de ses DPV manquants de l'ennemi. La mandale qui va jusqu'à 230% des PV bonus. Ce qui fait que Lee Sin, fonctionnellement, il a jusqu'à 345% des PV, de l'AD bonus pardon, en dégâts, plus des dégâts de base, qui sont assez sympathiques, ma foi, puisque c'est un sort qui peut faire jusqu'à 465 points de dégâts à la flat comme ça. Waouh, c'est très puissant. Et c'est pour ça que Lee Sin au level 3, au level 5, 6, 7, 8, 9, c'est très fort et ensuite ça tombe. Parce que ce sort-là, dans les bonnes conditions, il est imba. Coûte 50 points d'énergie, vous avez un délai de récupération qui baisse, clairement un bon spell. Ensuite, vous avez le rempart et la force d'âme. Alors, là il y a pas mal de choses à dire. Déjà, Lee Sin se rue sur un allié, une balise, un champignon, un piège, n'importe quoi qui est ciblable et qui soit pas un bâtiment. Ce qui se passe, c'est que Lee Sin et la cible gagnent un bouclier chacun. Si jamais ça touche un allié, un champion, vous avez le délai de récupération qui est divisé par 2. Donc, fonctionnellement, en teamfight, c'est 6 secondes et pas 12. Déjà, ça y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Accessoirement, vous pouvez self-cast sur vous, donc vous pouvez vous donner le shield à vous-même, vous n'avez pas le délai de récupération baissé, ça c'est pour empêcher les Lee Sin lane de jouer un peu fort, parce que c'est très fort Lee Sin lane, vous allez voir, c'est la deuxième partie du sort qui est assez sympathique pour ça. Et accessoirement, c'est pas possible dans certains cas. Ce qui va se passer, c'est que si vous êtes, je crois, root grounded, donc vous ne pouvez pas vous déplacer. Le sort, il est désactivé. Et s'il est désactivé, vous ne pouvez pas le lancer sur vous-même. Il y a aussi une autre chose qui est un peu bizarre, c'est que dans le dash, pendant le dash, vous ne pouvez pas activer la deuxième portion de rempart de votre Z et de votre E si elle est positionnée. Sauf si ce dash en cancel un autre, c'est-à-dire que si vous étiez en train de dash avec le A et que vous appuyez sur Z ensuite, vous pouvez réactiver votre Z2, votre E2, parce que vous étiez dans le A et que le A, vous faites tout ce que vous voulez pendant ce temps-là. En tout cas, à ma connaissance du champion, à ma connaissance de mes recherches sur le champion, c'est ce que je sais.
Une fois qu'on a dit ça, c'est très compliqué pour juste dash et mettre un shield. On a l'impression que Cassanté à côté, son shield, il est pas mal. Alors que vachement plus complexe. À la réactivation, vous gagnez du vol de vie et du sort de vampirique. Grosso modo, vous gagnez de l'omnivamp. Ça, c'est l'ancienne description qui est encore restée dans le jeu, mais c'est de l'omnivampirisme que tu vas récupérer. Et tu vas obtenir 10 à 26%. Ça veut dire que si tu... Pour une raison X ou Y, tu lances ton Z et ton Z amélioré et ta Q-spell sur quelqu'un, tu vas lui arracher ses points de vie tout en t'en soignant beaucoup. C'est d'ailleurs une des stratégies de Lee Sin, c'est de se self-Z, de re-Z et ensuite de E et de A dans le tas, histoire de bien régène. Parce que 26% d'omnivamp, c'est beaucoup. Sort suivant. La trombe et la fracture. En gros, c'est Lee Sin qui tape le sol assez fort. Alors, dans l'idée, dans les... Comment vous dire dans les... Ah alors, dans l'esprit du champion, il tabasse le sol et il démolit, c'est comme le choc au sol de Malphite, autour il n'y a plus rien qui reste. Dans les faits, ça a été tellement fort et abusé en lane, coucou Cabochard entre garde, de manière à ce que bon, ça a été nerfé au point que la compétence ça fasse quasiment plus de dégâts. C'est toujours bon, mais c'est plus suffisamment bon. Ce qui est intéressant, c'est que ça touche autour de Lee Sin sans trop se poser de questions, et ça révèle Lee Sin pendant 4 secondes, et ça c'est 4 secondes flat. Et c'est de la True Vision aussi. C'est très puissant. Ça révèle les cibles. Alors, je vais juste vérifier pour Lee Sin Wiki. Parce que je voudrais pas dire de bêtises. Il me semble que c'est de la True Vision sur le Wiki. Parce que là, c'est pas la True Vision qu'il y a sur le truc. C'est True Sight. Alors, à ma dernière nouvelle, c'est True Sight, donc ça révèle complètement les adversaires. Et la deuxième réactivation, c'est un ralenti des ennemis. Ok. Ça n'a pas l'air terrible. 80% de slow, qui diminue en 4 secondes. On est Nasus tiers. Nasus, c'est plus que ça, mais de toute façon, les slows, c'est capé aux alentours de 85-90%, ça change plus rien, vous avez atteint le cap de Move Speed Mini. Et Nasus, ça dure 5 secondes. Et ça commence bas, et ensuite ça augmente. Lee Sin, c'est l'inverse. Résultat des courses, on a un sort qui, une fois maxé, slow très 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 fort, est capable de clear correctement, parce que ça va faire 135 plus votre AD de base, et avec Lee Sin, vous allez rapidement avoir 100-200. Donc c'est assez sympathique. On a un bon sort aussi, et vous comprenez pourquoi Lee Sin, c'est un sacré couteau suisse, parce qu'entre ces deux révélations, son slow, son shield, sa mobilité sur deux spells, sa capacité à scout les buissons avec son A, son Z qui lui fournit l'omnivamp, on a un beau couteau suisse, et j'ai même pas parlé de l'outil que vous connaissez tous sur Lee Sin, hashtag la rage du dragon l'insec. Il donne un coup de pied, et il balance la cible à, alors c'est 800 unités de distance dans le tooltip, mais dans les faits, c'est mal buggé, mal codé, vous avez des bugs qui sont là, et qui font que la distance peut changer un peu, en fonction de l'hitbox de votre adversaire. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que non seulement c'est fait beaucoup de dégâts et ça scale en fonction de votre AD bonus, la cible, quand vous tapez, est immobilisée, c'est-à-dire elle ne peut pas faire grand-chose. Elle est aussi projetée dans les airs. D'une manière ou d'une autre, vous pouvez probablement cleanse flash juste après ça. C'est possible, parce que vous êtes immobilisé durant le délai d'incantation. Donc vous avez des trucs à faire avec des cleanse flash pour repositionner Lee Sin, qui lui va chercher aussi à vos... R, flash, parce qu'il y a un délai d'incantation qui est là, donc vous pouvez repositionner derrière votre adversaire avec votre flash, c'est très important. Et il y a aussi une autre chose qu'il faut prendre en compte, c'est que si vous touchez quelqu'un avec votre cible que vous avez donc high kick dans les airs, vous allez vous retrouver à faire les dégâts, ok, plus votre ratio, ok, plus un pourcentage des PV supplémentaires de lumière poussée. Si ça vous rappelle le R de 7, c'est exactement le R de 7, sauf que 7, il prend les gens, il les balance, et Lee Sin, il leur met un coup de pied. C'est à quel point, il faut dire à quel point il y en a un qui est plus fort que l'autre. Genre, Lee Sin, il a juste besoin de son pied. Hein. Dans les airs, je rappelle, pour faire ça. Et 12 à 18% des PV bonus en dégâts, ça peut être très gros sur un Shoga. Ce qu'il faut savoir avec ce sort, c'est que quand votre adversaire il est repoussé pendant une seconde et que la durée est fixe pendant le R, ça faut le savoir, vous avez donc un CC qui empêche l'adversaire de bouger, et si vous êtes relativement bon, vous savez juste que vous mettez vos dégâts, si vous êtes au corps à corps, vous appuyez sur R, ensuite votre A, vous pouvez pas le rater parce qu'il part en ligne droite,
et vous avez l'exécute du A qui part en ayant fait au passage les dégâts que vous avez. Et Lee Sin level 11, bon, 400 dégâts plus 200% d'année bonus. Ça peut faire 500, 600, 700 points de dégâts ce genre de sort. C'est pas mal. Et l'onde sonore ensuite approc avec son ratio absolument imba de 300%. C'est sympa. Et accessoirement, la durée bougeant pas, si vous appuyez sur R sur un adversaire qui est proche d'un mur et dans la direction pour traverser le mur, si le mur est suffisamment peu épais, il le traverse, ce qui permet de faire des deliveries à votre ADC, ce genre de choses-là. Si le mur est épais, il ne le traverse pas, il reste stun en l'air pendant une seconde à cet endroit-là. Ça a l'air bête, mais c'est utilisé par les dessins comme un CC. C'est pas juste pour faire une execute, parce qu'en fait, si tu utilises le R pour execute, tu gâches les dégâts. Tu gâches les dégâts de ton A, tu gâches les dégâts de ton R, alors que si tu appuies sur R, t'as une seconde de CC, et t'as les dégâts bonus de ton A, donc tu fais plus de dégâts. C'est pour ça que Lee Sin, c'est vraiment un perso où mettre ses sorts dans le bon sens pour slow mettre des autos, son Z pour se repositionner ses autos, tag un Q-spell pour s'assurer que l'adversaire puisse pas s'enfuir, et ensuite avoir son R, ce genre de choses-là, c'est extrêmement compliqué à jouer, et c'est d'ailleurs la grosse difficulté du champion à l'heure actuelle, c'est que si je regarde tout ça, qu'est-ce qu'on max ? AZ. Le E a été trop nerf. En jungle, c'est AZ. Je vais vous mettre la top lane. Il y a vraiment beaucoup plus de choix. Et la top lane, vous pouvez jouer AZ, vous pouvez jouer AE, c'est moins bon. Et vous pouvez jouer EA. Ça fonctionne. Mais c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, on est quand même dans la jungle. Vous voyez la couleur derrière moi, c'est la couleur de la jungle, pas de la top lane. Vous avez quasiment qu'un seul choix possible. Ensuite, pour les summoners... Jungler, Air Flash, pas le choix. Voilà. J'aime bien les champions faciles comme ça. Ah, pour les runes. Alors, les runes. Vous avez un champion qui n'utilise pas la paix, vous avez un champion qui lane pas, vous avez un champion qui est pas très créatif sur son assassinat ou autre. Voilà, donc vous avez l'option des gens qui se disent « Je vais jouer Lee Sin et je vais massacrer les gens au level 4 ». Ensuite, le perso sert plus à rien parce que la rune n'est pas très pratique, donc vous perdez avec. Je vais jouer Lee Sin et je suis tellement bon que je vais toucher tous mes Q-spells de loin et je vais stack. Oui, pourquoi pas. Je peux déjà vous assurer que c'est pas forcément très fort à l'heure actuelle. Et il y a les gens qui jouent Lee Sin en disant j'ai des ratios AD qui ont l'air vachement sympas si je prenais un peu plus d'AD sur mes sorts. Surtout que le Q-spell, le gros ratio, il est à la réactivation. Et vu comment fonctionne Lee Sin, si vous vous retrouvez en range de mêlée avec quelqu'un, vous avez mis une ou deux autos, votre E, votre premier stack. Donc là, vous avez 4, 5, 6, 7, 8, 10 stacks de Conqueror. Et il y a le gros ratio qui arrive à la fin. Et vous comprenez pourquoi Conqueror, c'est fort. Triomphe, parce que c'est un perso qui saute dans la mêlée, donc bon, triomphe. Paradoxalement, vous êtes un champion qui va utiliser beaucoup de ses autos pour farmer. Je pense, et ça c'est, je pense que beaucoup de gens seront mon avis là-dessus, que si vous allez jouer avec de l'ability haste, vous allez voir, on en a pas mal dans le build déjà, les sorts sont pas si longs que ça, genre le A revient assez vite, le champion n'a pas trop d'intérêt à spam parce que vous êtes limité par votre barre d'énergie, pardon. Et accessoirement, le Z il a déjà un refund de cooldown, le E vous l'utilisez pas tant que ça, et le R aussi. Résultat, vous utilisez pas tant que ça l'ability haste, alors que l'attack speed, vous allez voir en jungler, c'est extrêmement important. C'est un champion qui est un peu particulier ici. Vous avez tendance à être assez low life quand vous allez vous battre, pour la bonne et simple raison que vous êtes en range de mêlée et que vous arrivez en range de mêlée, et que c'est votre deuxième Q-spell qui tue. Donc, vous allez avoir pas mal de dégâts à ce niveau-là. Vous êtes quelqu'un qui peut arriver premier dans les fights. Vous êtes aussi quelqu'un qui a un sacré execute à la fin. Bilan des courses, vous êtes un jungler qui ramasse, ça c'est bien. Vous êtes un jungler qui est toujours premier sur les ganks, ça c'est bien. Vous êtes un jungler qui sent que les combats vont être longs, bah ça c'est bien. Je vais pas vous conseiller, adaptez-vous. Ces runes-là sont bien parce que globalement, à l'heure actuelle, elles sont relativement équilibrées. Ce que je vais vous dire, c'est que je tourne cette vidéo juste après un nerf de cette rune-là, mais les datas sont pas encore changées. Résultat des courses, c'est probablement coup de grâce qui rentre le plus dans l'esprit de Lee Sin. Si Lee Sin se joue très tanky, celui-là peut se discuter, mais vous avez vraiment leur league game à jouer et ça c'est fort. Et donc, ça va rendre assez facile la suite. Vous avez toujours pas de mana, vous jouez toujours pas sur les tourelles, donc on est tranquille. Soit vous jouez sur je fais des dégâts sur mon prochain dash et j'explose la banque avec des golds. Le petit problème que j'ai avec ça, et c'est vraiment un petit problème, c'est que oui, c'est une bonne rune, oui, ça vous ajoute des dégâts. Alors celle-là, elle est pas mal.
Oui, celle-là, fondamentalement, n'est pas une mauvaise run. C'est juste qu'en termes de value, celle-là est certaine. Celle-là est certaine. Celle-là est conditionnelle et celle-là, c'est quand vous arrivez. Je vais pas... Je vais pas vous dire que c'est mauvais, mais vu le win rate, c'est probablement pas assez bon. Cependant, si on va chercher... Alors, je vais vous mettre les masters. Vous voyez qu'en termes de win rate, ça bouge pas. Et là, j'ai un patch complet derrière moi. J'ai 2 semaines de data, donc les datas sont bonnes. Lee Sin est un des champions les plus joués de la jungle en plus. Vraiment, vous êtes un peu coincé en fait sur ces deux pages de runes et c'est à peu près tout ce que vous allez faire. Vous allez voir, hein. Lee Sin, c'est pas si compliqué que ça à build. C'est compliqué à jouer. Pour les starts, vous avez vos smites. Je vais vous en conseiller principalement deux. Celui qui donne la move speed, le bleu, et celui qui donne les dégâts, le rouge. Vous pouvez jouer avec ça. Le problème que vous allez rencontrer, c'est que maintenant que ça scale vraiment tard dans la game, le smite pour un jungler, c'est... Ben, vous aurez snowball votre game avant, c'est plus du fail safe de... Bon, où est-ce que je me retrouve en mid-game? Et pas le mid-game à 12 minutes de jeu, hein, parce que le mid-game, on peut le considérer à partir du moment où les TP sont débridés, en solo queue un peu plus tard. Mais en équipe, le mid-game, c'est le moment où les gens commencent à bouger. Enfin, à partir de 10 minutes, le top laner, le support et le jungler, ils peuvent bouger n'importe quand, les minis entendent dans sa room. Donc on rentre dans ce qu'on appelle le mid-game. Il n'y a plus de phase de lane parce qu'elles sont beaucoup plus influencées par les autres lane, les autres composantes du jeu. En solo queue, à 15-20 minutes de jeu, bah, vous avez votre smite qui va arriver si vous êtes très fort. Et à ce moment-là, il y a un petit boost. Mais vous avez déjà gagné la game. Enfin, peut-être déjà à 5-0 ou à 0-5. En général, à 20 minutes de jeu, il n'y a que les games vraiment lents, tout ça a un impact. Donc ce n'est pas un choix si cornélien que ça. Pour les bots viennent de changer. Je pense que c'est assez visible que vous vous adaptez à ce que vous voyez des CC ou, et ça je le dis, de l'AD. On est à un stade où les bots ont été rééquilibrés, il n'y a plus une surpuissance massive des mercures. Même si, personnellement, l'anti-CC je trouve ça cool et c'est rare dans le jeu. Et accessoirement, si vous êtes vraiment fed, vraiment devant, vous avez les Lucy qui fonctionnent tout le temps. Je vais pas vous mentir. Une fois qu'on a dit ça, passons à nos amis les items. Alors, Lee Sin, au niveau des items, c'est un jungler extrêmement early game qui utilise le fait de sauter sur les gens et de se battre en early game. Résultat des courses, éclipse obligatoire. Une fois que vous avez fait l'éclipse, le choix s'ouvre. Vous êtes un champion qui va mettre des autos un peu sur tout le monde à chaque fois, donc qui proc très facilement le ciel éventré, ça lui va très bien. Vous pouvez jouer coup près, mais vous voyez que la différence de win rate entre coup près et ciel éventré est pas bonne. L'éclipse... Pour moi, vous ne devez pas la faire à ce niveau-là parce que vous avez fait un autre item qui ne sert pas à grand-chose. Et une fois que vous avez éliminé l'éclipse, après, c'est vraiment du situationnel. C'est est-ce que je veux jouer plus létalité? Je pars l'état à ce moment-là. Est-ce que je joue éclipse? Je pars hydre profane et je continue létalité. Oui, ça peut fonctionner sur Lee Sin qui est largement devant, vous voulez vous marrer. Et les autres items qui sont un peu plus briseurs n'ont pas le même win rate. Résultat des courses. Et ça, ça va être quelque chose que vous allez voir sur Lee Sin pendant longtemps, même après. Tant qu'il n'y a pas un gros rework de l'éclipse, ça va rester ça. Le ciel éventré, c'est vraiment fait pour lui parce qu'il en a besoin à l'heure actuelle. Et derrière, il prend des items où il y a de l'AD de la tankiness. Vous remarquerez que c'est coup près noir, Sterak, danse de la mort, Sterak, coup près noir, Sterak, danse de la mort, coup près noir. Vous avez l'idée? Voilà, vous faites ça. Et le coup près noir, plutôt que tard. C'est plutôt un 3 et un 4, le coup près noir, en item de pénétration. Vous avez une danse de la mort si vous avez beaucoup d'AD en face, une Malmo qu'il porte bien. Lee Sin est plutôt un bon porteur de Malmortus sur les AP. Et si jamais vous avez des dégâts mix, vous avez un Sterak qui marche bien. Grosso modo, vos builds, ils vont ressembler à ça toutes les games. Ce que je veux dire, c'est que l'éclipse, c'est très puissant. Ensuite, le ciel éventré, c'est très fiable. Et après, vous vous adaptez. Vous êtes un perso d'early game. Vous êtes là pour crush en early game. Prenez les options qui permettent de crush en early game. Et ce sont ces deux-là. Et Lee Sin, à partir de ce moment-là, c'est pas très dur. Vous voyez les runes. Hop. Oh la vache. Oh mon dieu. Ouais, qu'est-ce que je fais mes runes dangereusement. Hop, 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 hop. Lee Sin, voilà, je prends mon smite habituel. Vous avez le bleu aussi qui est disponible. À jouer, vous faites face à... Vous allez me voir beaucoup plus faire ça maintenant parce que vraiment, rouge et bleu, il n'y a souvent pas trop de différence entre les champions. C'est vraiment que
Est-ce que je veux aller vite ou est-ce que je veux faire des dégâts quand je touche? Les bots sont assez égalitaires, donc il n'y a pas grand chose à faire. Et de l'autre côté, vous voyez, vous allez chercher votre Eclipse, vous allez chercher votre Ciel Éventré. Et ensuite, une game, ça va principalement ressembler à ça. Voilà, on a fini l'ici. Ah, c'est la difficulté du champion. Vous l'avez vu, c'est dans les sorts. Je vous ai pas dit en plus sur le A, quelque chose que vous allez sentir intuitivement, mais que je vous ai pas dit à la lecture. Enfin, il va suivre les dashs de votre adversaire. Il peut se flash, ce qui peut enlever les dégâts, mais Lee Sin vous survit quand même. C'est un peu particulier, c'est des timings qui sont très particuliers. Mais blague à part, vous avez un A qui suit, et c'est tout ce qu'il faut savoir. Après, c'est utiliser Lee Sin dans les bonnes circonstances, être loin, être précis. C'est un champion qui demande énormément de pratique. Ça fait partie des champions avec les plus hauts skill caps du jeu. Donc, plus vous faites de game de Lee Sin, meilleur vous êtes. Et aussi, vous devez travailler, bien entendu, toute votre macro et tout le jeu. Pour ça, je vous renvoie sur mon Patreon. Vous avez des vidéos, que ce soit des reviews, des coachings ou tout simplement des super guides. Quand je vais chercher, j'ai du temps, je vais chercher des games de master. Et on fait, grosso modo, la micro, la macro d'un champion et la perfection avec un des meilleurs joueurs du monde dessus pour voir comment lui, il joue créativement. C'est fini pour cette vidéo de Lee Sin. Si jamais tu veux me soutenir, tu veux plus de vidéos comme ça, n'hésite pas à me dire quel prochain champion que tu veux en commentaire. Et bien entendu, de liker et de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. A plus en live les amis.